Salut tout le monde, c'est Aldezo et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 7, si je me trompe pas encore une fois, de Alien Isolation. Donc cette fois-ci, on s'était arrêté au moment où il fallait récupérer un compresseur pour réparer le dernier ascenseur qui nous mènera à Taylor, à qui on doit rejoindre, à qui on doit donner notre kit médicinal d'urgence ou un truc dans le genre. Donc qu'on va faire, c'est qu'on va faire la mission tout simplement et on va s'arrêter quand j'aurai rendu le kit d'urgence. Donc en espérant que j'y arrive, parce que là il y a du people et ils me disent pas du tout par où faut que j'aille. Mais j'arrivais d'ici, c'est vrai. Je crois que le plus marrant c'est de savoir qu'il y a un autre truc derrière moi. Oh merde. Putain, je me retourne, je les vois tous en train de me viser quoi. Bon, fallait s'en douter. Heureusement que j'ai sauvegardé. Allez. Ouais ouais. Il pourrait y en avoir d'autres. Tiens, tout ce qui bouge c'est tellement le bordel, c'est bon. Ils sont juste tués. Et maintenant ils sont morts aussi. Alors arrête de paniquer, calme-toi. Je sais pas si je dois les tuer ou pas. 5 balles. Ils sont 3 je crois. C'est mort royalement. C'est quoi, c'est eux? C'est... Oh! Hey! Tu peux pas me dire que je crève en une balle quand même. En plus j'ai entendu l'alien juste derrière. Transfert défaillant. Réparation requise. Mais bon, si ça avait été l'alien, je pense qu'il m'aurait quand même foutu une cinématique. Bon, je crois que j'étais tombé du ciel, donc ça doit être bien par là qu'il faut passer. Ouais, ça part à gauche. C'est nickel. Par contre, j'aime pas trop ça parce que je vois qu'il retourne direct. Non, par où? Par où est-ce qu'on passe? Ah bah d'accord, j'ai pas vu. Mahoney, t'es vivant. On s'est fait attaquer. Des pilleurs. On a tout vu sur les images de la sécurité. Vous pouvez vérifier? On est coincé. L'ascenseur est en panne. C'est juste à côté d'endroit pour les systèmes et les scientifiques. Il y a plein de trucs pour le réparer. On sait pas trop où chercher. En marche, un employé de réquisition. Il est malade ou quoi? Peterson demande si t'es pas devenu complètement taré. Je te rappelle que ces trucs se sont mis à attaquer tout le monde. Il reste la psycho sans faire rien d'interdit. Ça devrait pas poser de problème de parler à un employé dans un entrepôt. Il saura comment réparer la personne. Ok, terminé. Enfoiré. Ça devrait pas poser de problème? Ben moi je vous préviens que je vais pas faire ami-ami avec un de ces trucs. Ok. Donc ils ont parlé d'androïdes. Faut aller chercher une pièce. Putain. Alors là, est-ce que ça passe sans que je me fasse voir? Aïe. Là. Nickel. Donc, c'est chiant qu'on puisse pas aller plus vite. On a soit par ici. Non, ici c'est un cul-de-sac. Donc là. Mais que je fasse gaffe aussi parce que la sortie elle doit être au-dessus de ma tête. Que je la loupe pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Une minute, laisse-moi réfléchir. Ça c'était quoi le bruit tout à l'heure? Ça ressemblait à une explosion. Ça je... C'était quoi ça? Vous avez tous vu ça, pas vrai? Jetez un œil dans le coin. Prouvez ce que c'était. Bon, ils ont capté que j'étais pas loin je pense. J'ai toujours pas de chemin à suivre. C'est bon. Donc hop, fais chier. Pistolet seringue. Il est où la route? Putain, il y a des trucs de partout. Munition de revolver, ça c'est cool. Hop, les deux qui me manquaient. Non, les deux j'ai dit.
là. Alors, je sais pas de recharge, j'ai bon. Je viens de faire le tour de la pièce là, il n'y a rien du tout. Si on doit s'en sortir, tu ne seras plus utile en vie. J'avais juste plein de bordel. Sérieux ? Oh le bat. Le vilain. J'essaie de me rattraper. C'est incroyable quand même. Je sors à peine. À peine je sors, je me fais mais. Bouillave. Donc on a dit. Ici. La loose. On sort là-bas, donc je peux éteindre la lumière, c'est bon. Arrivé ici, ils vont parler pendant 50 ans, mais vu que je sais déjà ce qu'ils disent... Mahonnet, t'es vivant. On s'est fait attaquer. Des pilleurs. On a tout vu sur les images de la sécurité. Vous pouvez. On est coincé. L'ascenseur est en panne. Ah, c'était bien une autre sortie que j'avais trouvée tout à l'heure. Il y a plein de trucs pour le réparer. On sait pas trop où chercher. Ah, mais t'es en marche, un endroit. Il est malade ou quoi? Peterson me demande si t'es pas devenu complètement taré. Je te rappelle que ces trucs se sont mis à attaquer tout le monde. Ok, terminé. Enfoiré. Ça ne ferait pas poser de problème? Ben moi je vous préviens que je vais pas faire ami-ami avec un de ces trucs. C'était peut-être bien là, ouais. Ouais, gagné. Donc on va monter ici. Cette fois-ci je vais faire gaffe. Putain, il y en a un juste devant, ouais. C'est limite s'il marche pas, s'il marche pas au-dessus de ma tête. On n'est pas tout seul. Les tirs ont dû attirer quelque chose. Lâche l'affaire. Pas moyen que je la tire lui. Se faire bouffer. Ah oui, parfait. J'ai attiré l'alien et l'alien a bouffé tous les ennemis. Ça, c'est parfait. Par contre, si l'alien pouvait se barrer. Nickel. Bon bah du coup je vais faire gaffe moi aussi parce qu'il va me bouffer là. Le rouge V. Je crois que je vais monter là-haut. Ça mène où? Il y a des pièces partout. Donc là on est au-dessus de... Ouais, je vois à peu près le truc que ça fait ici, hein, en gros. Il y a l'alien qui tourne et qui vient me chercher, je pense. Ah ouais. Ah putain, saloperie, bestiole à la con. Il m'a pas vu ? Ah si.
ça m'énerve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un tout petit peu. Là je vais aller jusque... bah juste jusqu'à là où il faut aller et je vous reprends. A tout de suite. Bon, alors voilà, j'ai trouvé un nouveau chemin pour aller en haut. Le seul souci, c'est qu'ils m'ont repéré le temps que je lance l'enregistrement. Donc j'espère que je vais au moins trouver quelque chose. Oh mais une sauvegarde. Si ça, c'est pas beau. J'ai trouvé un nouveau chemin pour monter en haut. En fait, au lieu de passer par en dessous, je suis passé par là où ils étaient. Je les ai juste contournés et il y avait un petit escalier derrière. Donc... non, pas en dessous. J'espère qu'ils sont pas montés. Alors, tenez, ça c'est pour vous. Vous avez juste à faire pause pour lire. Hop, je descends. Voilà, il n'y avait rien d'autre. Ensuite... ouais, c'est le même, je pense. Ça veut qu'on passe en tout ce qu'on a. Ok. Audio erreur. Et activiteur pareil. Oh bordel. Sérieux? Je peux les tuer tous là. Ou sinon c'est le, c'est l'autre qui va s'en occuper. Ah, sérieusement. Bon allez, un autre coupage. C'est reparti pour un tour. Re tout le monde. J'ai vite capté que comme vous pouvez le voir là, j'avais fait une sauvegarde. Donc c'est pas la peine de quitter. Ah, bon puits gêne version 2. Ils sont là je pense. Sinon c'est qu'il y a le truc qui est juste là. Donc le compresseur, où est-ce qu'on pourrait bien le trouver? Donc ça, rien d'aller en
cercle noir m'a vu vite fait. C'était peut-être pas la meilleure solution ce que je viens de faire. Bon, au final, je sais toujours pas quoi faire. Parce qu'on est dans cette pièce. Au milieu, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Je pense qu'il faut que je retourne en haut. Je vais aller revisiter par là où je suis arrivé. Ça se trouve j'ai oublié quelque chose. Ils ont pas capté, j'ai l'impression. Peut-être pas debout non plus. T'es le robot là. Ouais, détecteur, juste tout qui est plein. D'informations pour savoir ce qu'il faut faire. Même si ça m'a l'air plutôt vieux pour du... Ça dépasse largement tout ce dont on est capable. En principe, pour accompagner toutes ces filles-là, sont à des années-lumière devant nous. Ça, on s'en fout. L'audio, c'est bon, on l'a déjà fait. Les boss veulent qu'on passe en revue tout ce qu'on a empilé dans l'entrepôt de composants. Il y a pas mal de matos utiles là-dedans, de la camelote aussi. En prime, ils demandent une estimation de la valeur, Smith. Après, il n'y a que des erreurs. Ça se trouve, il était en bas dans le truc, et j'ai même pas fait gaffe. C'est chiant parce qu'il me donne pas de... de chemin à suivre quoi. Ah, là-bas il y a une autre pièce. Pourquoi s'ouvre pas? Ah ben voilà, ici j'avais pas visité. Ça a l'air de tout repos. Ça veut dire qu'on va prendre des balles ou quoi? Donc, fais voir ce qu'on a là. Ensemble pour demain, numéro 2. Donc vous avez juste à faire pause. Hein. Voilà, ensuite l'audio, visite VIP. Mike, vous êtes-vous familiarisé avec ce que vous allez dire aux VIP en visite aujourd'hui? Il faut qu'on fasse bonne impression. J'ai entendu dire que ce sont les derniers enchérisseurs. La production d'androïdes est d'une importance capitale à leurs yeux. Il faut absolument qu'on leur montre à quel point cet endroit est adapté à la technologie synthétique avancée. Un peu de baratin ne fera pas de mal, mais n'allez pas trop loin non plus. Foutez pas tout en l'air. Deming, terminé. C'est chelou comme truc. Trouver un moyen d'ouvrir la porte. Ah. C'est quoi ça? Salle au-dessus, je me demande s'il était pas au-dessus le mec.
trop ça, moi. Oh putain, faut le faire. Trouver un moyen d'allumer l'android de réquisition. L'interrupteur qui s'amarre, qui s'allume plutôt, qui ça marche. On va sauvegarder, comme ça sera fait. Yes. Ah, c'est quoi ça? Attends, je vais ramasser tout ce qu'il y a par terre. Ouais, vas-y, inventaire plein, ramasser plaque d'identité, voilà. Je sais pas à quoi ça sert encore ce truc. On va utiliser ça. Ah. Ça, ça va me servir. Pour ouvrir toutes les nouvelles portes. Ça se trouve, je vais pouvoir d'ailleurs pirater le... Putain. Je me dis pas qu'il y a des trous là, parce que sinon je suis dans la... Merde, c'est bon. Je vais aller voir si... Ouais non, je vais aller voir là-dedans. À quoi ça sert ça? Là y'a rien, là y'a rien. Ah. Tout ça pour ça. Le courant. Donc pour rétablir le courant, je pense qu'au final il va falloir que j'ouvre la porte qu'il y avait derrière moi. Ah non, carte d'accès requise. Je peux monter en haut encore. Attends, je peux sauvegarder la partie ici aussi quoi. Bah, vas-y hein. Des sauvegardes partout ici, comparé aux autres let's play où j'en chiais pendant une heure avant de trouver un truc. Utiliser le synthonisateur. Vite celui-là, ensuite le trait d'en bas, ensuite celui-là, et ensuite le dégueulasse. Voilà. Énergie de l'android de réquisition connectée en attente. Je vais regarder ce que ça fait quand même. Oula. Oula, la vitre elle défend tout, ça faisait un truc chelou. Bon, j'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose. Ouf. Schéma de fou. Donc, ça a l'air cool. Attendez, il y a autre chose ici. Utilisez ce truc. Vas-y. On va voir ce qu'il y a derrière comme ça. La barre de dessus avec le petit en dessous, voilà. Contourner la sécurité Sixon. Un petit trophée, ça fait jamais de mal. Oh, une bouteille de Jack. Ah non, éthanol. Comme note, j'en ai rien à faire. Terminal, ça peut toujours aider. On faisait juste à faire pause comme d'hab. On va sortir de sa boîte et observer le partir, un peu comme moi. Ce message serait déjà bourré au Guilain, c'est pas ok. Ascenseur en service, je viens de recevoir un autre message de spinning au sujet d'un ascenseur en panne à l'extérieur du théâtre d'examen. Mes hommes savent pas où donner de la tête en ce moment, donc je ne crois pas qu'on arrivera à le réparer avant votre visite VIP. Si spinning espère passer en premier, il serait peut-être bien arrêté de péter plus haut que son cul. Génial, j'adore les phrases. C'est pas dur, de mémoire, je veux vous dire que les pièces dont vous avez besoin se trouvent dans l'entrepôt des composants. Rangée 1, rayon B. Si vous le trouvez pas tout seul, demandez à l'android de réquisition, lâchez-moi la grappe. Chief. Alors, pâture de mémoire, je peux vous dire que les pièces dont vous avez besoin se trouvent dans l'entrepôt des composants. Rangée 1, rayon B. Faut que je retienne ça. Et ça c'est pour vous.
Vous saviez pertinemment que ces mecs étaient les derniers enchérisseurs pour le système Apollo de Sébastopol. Et vous avez complètement merdé la présentation des androïdes. Je pense à rien à truc là. Du coup, après pour moi, c'était quoi ça? D'accord. Fumée verte et c'est ça qui vient de tuer. Bon, on va pas y aller. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'un cylindre de compression. Dépôt de composants. Rangée 1, rayon B. Suivez-moi. Essaie de pas faire trop de bruit, ok? Parce que j'ai pas trop confiance. Nous y voilà. Votre cylindre de compression se trouve à l'extrémité de cette rangée.
une solution. Un problème. Que j'ai déjà, surtout. Il y a encore un bâtiment là-haut. Ah, c'est celui que je dois pas pouvoir passer. Il y a pas un petit truc pour mettre genre... je pense pas. Là-bas aussi un truc pour entrer, mais je vais pas y aller parce que ça va faire comme d'habitude. Là, ça sert à rien. Ici je suis déjà allé, là où ça sert à rien je vais crever. Donc là normalement j'ai une sauvegarde. Attends, je vais vérifier. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Non. J'ai une sauvegarde là-haut par contre. Je vais plutôt la faire ici. Comme ça je suis sûr. Elle était ouais, je suis en train de réfléchir, elle est en haut. Sauvegarde. On n'a pas une plus près je pense. Celle-là, la pièce, donc.
utiliser les 2 secondes, donc c'est comme l'autre, on s'en fout, accès au terminal. Y'a rien qui s'est débloqué. Utilitaire, non, erreur encore dernière. Ouais, le reste, on s'en branle. Ah là là, bon, mais on va pas aller là-bas, hein. Je sais pas si c'est un bug ou qu'il faut un niveau particulier. Hop, allez, remplacer le composant dans l'ascenseur. En espérant que ce soit la dernière étape. Hop, parce que là ça fait déjà quelques temps qu'on y est sur cette mission quand même. Maintenant, faut que j'arrive à retourner à l'ascenseur sans me faire choper. J'ai entendu l'alien, donc ça me stressait, j'arrêtais pas de me retourner. Oh. Putain, on peut même pas se recacher, j'avais même pas fait gaffe qu'il était là. Oh là là, si l'on vous voit courir, cachez-vous. J'ai pas couru, je me suis juste caché direct, mais le mec il me tue en une balle. J'ai jamais vu un mec me tuer en une balle dans le jeu. Allez. Ah mais en même temps, vu ma vie, putain de pas me tuer en une balle. Medikit. Pas un autre. Ah si. Hop. J'ai eu peur qu'il y ait l'alien qui tombe par le trou qu'il y avait juste au-dessus de ma tête. Il me saoule être juste là, lui. Ah merde, il m'a vu. Là, il me tue pas en une balle. On est d'accord. Donc, on va aller là-bas, en espérant pas tomber sur le... Tu veux, j'ai dit. Allez. Putain, sérieux, ils m'ont même pas suivi. Et l'alien. Je ne crois pas que ce soit moi qui l'ai suivi, il est en train de bouffer les autres. Attends, c'est pas moi qui ai tiré, c'est vous. Je crois qu'il est juste au-dessus de moi. Attends, il est sur le mur, il est même pas
descendre l'échelle, je me suis dit, j'enregistre ou je reste pas dans la pièce de gauche là, mais je l'ai pas fait, j'aurais dû. Ça fait chier. On va recommencer 50 fois la même chose. Allez, je suis chaud. On y quitte. Hop. Quoi t'as dit qu'il l'avait vu? Donc il y a des gens qui auraient échappé. Non! Non! J'y étais! Ah, j'ai trouvé la petite astuce là, c'est bon, je vais faire du speedrun. Allez, je le refais, mais. Sans me tromper, je sais pas où faut aller maintenant. Allez, vas-y. Grouille. Hop. Tac. Medikit. Carré pour activer. Et... je vais carrément passer au milieu. Je la regarde ma vie quand même parce que... Aïe. Sérieux? Mais il est où l'ascenseur? Ah merde, c'est juste là. J'ai réussi. Enfin. Objectif complété. Bon, on va voir où ça nous mène. Cet objectif complété. Quelle porte qui s'ouvre? Celle-ci. Sauvegarder. Vers la centrale de fluide synthétique. Putain, il faudra encore faire un épisode avant de lui ramener son truc, hein, parce que là, au final... Oh putain, je connais pas du tout la pièce. Ouais. Bon, mais les gens, on va se quitter sur ça, hein, parce que sinon ça va être trop long et ça va être barbant. Donc on se retrouve pour le prochain épisode d'Alien Isolation. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.